que les bois baignaient dans l'eau, que le vent saoulait les corbeaux. Tout au village était serein, mais dès qu'au ciel brillait le phare, que les temps sortaient, c'est né du phare. En bande comme des lapins se rappliquaient les Parisiens. Vu que nous à la capitale, on y allait en carte postale, cul sur un banc, toujours content, toujours beau temps. Alors je les entends encore nous traitent de pauvres pécores, ces chers petits qu'appelait maman, parce qu'on les foutait dans les temps. Bien qu'on n'avait pas l'air futé, dès qu'on parlait sexualité, ça nous faisait monter la sève. Monter la sève pendant que ces Parisiens de Montchose étudiaient le chou et la rose. Nous on allait sourire aux lèvres, voir Papa Bouc baiser les chèvres. Une fois sur le lieu d'attaque, vous ouvrirez grand votre sac et des pieds vous taperez fort. Taperez fort, c'est ainsi que nous, sur l'Uberlu, partirent à la chasse au Dahu. Possible qu'ils y soient encore, à l'heure où je gratte ces accords. On eût préféré à l'époque, et cela dit sans équivoque, pas du Parisien de mauvais goût, de mauvais goût, mais des vrais titis, des gavroches, de ces gars francs et sans reproche, qui auraient aimé, sans nul doute, tâter de la cuisse et boire la goutte. Tant que les bois baignaient dans l'eau, que le vent saoulait les corbeaux, tout au village était serein, mais dès qu'au ciel brillait le phare, que les temps sortaient ses nénuphars, en bande comme des lapins, se rappliquaient les Parisiens.